dégage, Jacques. Les gars, c'est possible. Vous êtes avec eux, les arbitres. La conscience des équipes, j'en ai fait tout plaisir avant tout. Nous avons encore de longues années à jouir, donc profitez-en avec grand plaisir. Bonne finale à vous, messieurs. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Et le fair play, surtout le fair play. Je ne sais pas combien. Allez, ça va! Et en parlant de champion, je voudrais juste rappeler, nous sommes à quelques jours de l'Euro. Fois 10 minutes. C'est vrai que nous étions un petit peu inquiets vendredi par rapport aux prévisions météo et que globalement on a eu un temps quand même relativement correct. On est passé à travers les orages. Ouais,
Merci Guingamp. Guingamp aussi, donc, qui viennent régulièrement. Et qui aussi, même avant Guingamp, de leur participation. Le premier départ de temps est prévu à 16h, donc pour Genève et Guingamp. On va leur faire un bon retour pour les remercier encore de leur participation. Ensuite, qui sont présents devant le podium, de remercier toute l'équipe de la cuisine. Merci, ils ont été derrière les fourneaux pendant deux jours. Ils ont dû préparer pas loin de 1000 repas, je crois. Pas loin de 1000. Donc on les remercie, toute l'équipe Fabrice, là, dont Jérémy, Enzo. On les remercie beaucoup. Puisque les équipes donc, sont accueillies, logées, nourries pendant 24 heures. Donc c'est grâce à toute une équipe de bénévoles, comme ceux de la cuisine, comme ceux de l'équipe, les brochettes, les merguez. Allez, 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 allez
Allez les Blancs, allez les Blancs. Toi là-bas. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, Johan. Et donc fin de la première période. Et donc Lille qui mène 1-0 contre Saint-Maur-Lusitanos. On fait une petite pause et puis on va lancer. Tu vas quand même leur demander s'ils veulent se faire plaisir. Hein ? Nous, il faut être un peu plus précis quand on s'approche de la zone de finition. On a gaspillé énormément d'énergie. On n'a pas le droit de rater une finale comme ça. On n'a pas le droit. D'accord, on va y arriver sur YouTube. Donc, les actions, on va en avoir encore. D'accord, faudra juste les mettre au fond, c'est tout. Eux, ils ont été réalistes, ils en ont une, ils l'ont mise au fond. Allez, pour Miguel, les gars, allez. Trophée donc pour les vainqueurs. Et divers petits cadeaux. Aussi donc pour les acteurs de cette 12e GIF Cup. Et donc, c'est très bon idée. Contribuer donc pour la réalisation de ce tournoi. Nous promettrons les récompenses aux équipes directement sur la pelouse. Ah oui, je profite qu'il y a beaucoup de monde donc pour dire qu'il y a encore 3 maillots donc qui n'ont pas trouvé de preneur. La personne donc qui a le numéro 55 a gagné le maillot du Servette de Genève. Le numéro 56, donc c'est le maillot de Guingamp, et le numéro 501, c'est le maillot de Lille. Donc les maillots sont à retirer au podium en présentant bien sûr les numéros gagnants correspondants. Travaille.
Monte, centre, centre. Thank you.
Yoann, recule un peu. Autour de Saint-Maur-Lusitanos. Et victoire de Saint-Maur-Lusitanos. 1-0 au tir au but face à Lille. Et donc c'est un nouveau nom qui s'inscrit au palmarès. Saint-Maur-Lusitanos, vainqueur de la GIF Cup 2016. Visiblement, il y avait beaucoup de supporters. Hein. Bravo à Lille.